Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Hello everybody and welcome back to my channel. Thank you so much to all the new subscribers from all over the world. India, Indonesia, Korea, Japan, Greece, Italia and everywhere. Thank you so much. Je disais donc merci à tous les nouveaux abonnés et surtout, je vais dire aussi un grand merci à Jamina Création qui, grâce à elle, j'ai pu obtenir les... Aujourd'hui, j'avais prévu de faire une vidéo avec tous les produits que ma fille m'avait envoyés du Japon dans son colis. Regardez la vidéo ici. Elle m'avait envoyé tout un petit sac avec des produits de maquillage du Sonyen Shop ou Daiso. Et je me suis dit, je vais faire un total look avec ce maquillage. Tout avait bien commencé, j'avais tout préparé et mis en ordre. Les pinceaux, puis ensuite l'eyeliner, l'highlighter, le blush, le petit pot de Paint Pot de chez MAC, les rouges à lèvres, un petit remontant au cas où, les produits pour les sourcils, le mascara, l'appareil à recourber les cils et les différents fards. Sans oublier le fond de teint compact et son éponge, ainsi que l'éponge en silicone avec le concealer. Ça a été catastrophique le tournage. Et oui, je ne suis pas chez moi, je suis encore dans mon lit, donc j'ai fait ce que j'ai pu pour mettre mon appareil photo, je n'avais pas de lumière, je n'avais rien, et c'était quand même relativement compliqué. Et à la fin, lorsque j'ai regardé les rushs de mes vidéos, je me suis dit, ah non, c'est pas possible, je ne peux pas présenter ça. C'est vraiment, on ne voit rien, c'est terne, c'est blafard, le rendu n'est pas beau, alors que dans le miroir, j'ai trouvé ça génial. Donc je me suis dit, pourquoi pas parler du Japon, puisque j'y suis allée plusieurs fois et que je connais pas mal de choses. Et puis en même temps, vu les temps qui courent, qu'on ne peut pas y retourner, qu'on ne peut pas voyager, ça peut vous faire un aperçu de ce que l'on peut trouver dans ce pays. Alors, je vais commencer par Daiso, le Sonyen Shop. Le Sonyen Shop, c'est un magasin où l'on trouve de tout à 100 yens, c'est-à-dire environ 1 euro, plus ou moins 1 euro en fonction du change, du cours de l'argent. On trouve de tout à 1 euro, c'est-à-dire aussi bien des produits de beauté que des produits du jardinage, que des produits pour la création, les loisirs créatifs, pour les hommes, pour bricoler, pour la papeterie, pour les cheveux. Donc c'est absolument immense. Et il faut savoir aussi qu'ils peuvent être aussi bien au-dessus du sol, des étages au-dessus du sol que des étages en dessous. Parfois on rentre dans un petit Daiso, on se dit « Oh, il est tout petit ». Et non, il y a des ascenseurs pour aller au-dessus et des ascenseurs pour aller en dessous. Et je vous promets qu'on peut bien parfois y passer toute une après-midi si on a envie de tout faire. Nous allons parler maintenant du Japon. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai une fille qui se trouve là-bas et qui y vit depuis plusieurs années. Je suis allée lui rendre visite plusieurs fois et bien sûr, elle m'a fait visiter, je ne dirais pas en long, en large, le Japon, mais une grande partie du Japon et des petites îles avoisinantes. J'ai donc fait évidemment des centaines et des centaines de vidéos, de photos. Et pour vous faire un tri le plus court possible pour vous rendre compte, c'était quelque chose d'assez incroyable. Alors, il est évident que je n'ai pas pouvoir tout vous montrer. J'ai fait une petite sélection et si jamais ça vous plaît, je pourrai vous en refaire d'autres du Japon parce que j'ai un stock de vidéos et de photos, mes amis. Je peux vous faire des heures et des heures de tournage. Elle nous a fait évidemment visiter les grandes villes comme Kyoto avec cette année-là les cerisiers en fleurs. C'est un moment magique extraordinaire. Puis nous sommes allés sur Kobe, Nagasaki, Osaka, Nara, Hiroshima.
Bref, nous avons fait des grandes villes et bien sûr Tokyo où elle habite. Tokyo est une ville, non, une mégalopole où l'on trouve des quartiers absolument extraordinaires comme Shibuya, très très connu. À Shibuya, un petit coucou à Hachi, ce chien, ce film qui m'a fait tant pleurer. Et bien sûr, ce carrefour énorme où il grouille. Un monde fou, fou, fou. Harajuku. Aller à Harajuku est un parcours du combattant, surtout en période estivale. C'est absolument bondé. Mais qu'est-ce que c'est bon ? Ginza et tant d'autres. C'est une ville magnifique, aussi belle le jour que la nuit. On y trouve de tout, des magasins en hauteur, dans les sous-sols. On peut y passer des jours et des jours. À Tokyo, comme dans les autres grandes villes, ce ne sont que des tours, des grands ensembles qui nous donnent le vertige. Des magasins, des câbles électriques qui courent partout dans les ruelles. Et là, au détour d'une ruelle, on tombe sur un temple bouddhiste ou alors un sanctuaire shintoïste. Bref, c'est magique. Le Japon, c'est aussi la gastronomie. Et ce n'est pas que sushi, sashimi ou autre chose. Vous allez voir, je vous ai fait un diaporama avec quelques spécialités. Le Japon, on trouve de tout. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des superbes restaurants, il y a des petites gargotes, il y a des petites choses que l'on emporte, des spécialités, il y en a partout. Partout où vous allez, dans les grandes villes, les petits villages, dans les stations de métro, dans les gares, vous avez toujours de quoi vous régaler. Bien sûr, c'est à base de poisson, de riz, mais pas que. Il y a aussi des pâtes, il y a aussi des soupes, des champignons. C'est une explosion pour nos papilles. Et vous allez voir, la gourmande que je suis a essayé de tester un maximum de choses. Et vous vous dites, ouais, mais comment on sait ce qu'il y a à manger dans nos assiettes? C'est très simple, vous allez voir, ils mettent dans leur devanture les plats que l'on trouve à l'intérieur sous forme de plastique, vous allez voir, c'est extraordinaire. Voici le genre de devanture que vous pouvez trouver au Japon. Vous voyez exactement ce que vous allez pouvoir manger, à vous de choisir. Et voilà, aussi la même chose pour des glaces et des gâteaux. Nous avons eu la chance de tester un traditionnel repas japonais. Je vous laisse apprécier la suite. Thank you.
Si vous n'avez pas envie de manger dans un restaurant ou si vous êtes pressé ou même si vous prenez le train, partout, vous pouvez acheter des plateaux qui vous permettent de faire un bon repas. À Tokyo, venait de s'ouvrir dans un cadre extraordinaire un nouveau restaurant avec des choses assez bizarres mais très bonnes. Puis évidemment, nous avons goûté l'onokomiyaki, cette espèce d'omelette où l'on peut mettre des moules, des crevettes. En fait, c'est en fonction de l'endroit où l'on se trouve. C'est absolument délicieux, évidemment. Puis après, nous avons goûté les fameux takoyaki, ces espèces de petites boulettes avec du poulpe à l'intérieur. Pour le Japon, on peut utiliser tout un tas de moyens de transport. Évidemment, le Shinkansen. Le Shinkansen, j'espère que je prononce bien. Ce train ultra rapide qui traverse le Japon, qui est absolument extraordinaire et très beau. Il y en a plusieurs, il y en a des blancs allongés, là je vous en ai mis une de couleur, bref. Il y a aussi des trains, tous plus ou moins mignons. On passerait des heures à les regarder. On peut aussi visiter à vélo, ou en voiture, en taxi. Bien sûr, on peut aussi prendre le bateau lorsque l'on va sur les îles à côté. Et le train suspendu. Génial, n'est-ce pas? Et bien sûr, et bien évidemment, le métro. En tout cas, c'est très facile de se déplacer au Japon. Bien sûr, le Japon, c'est aussi des sorties, des spectacles, des karaokés. Bref, il y a tellement de choses à faire au Japon que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vous en parler pendant des heures et je ne sais pas comment je vais faire pour faire ce montage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez aimé, que vous allez liker, que vous allez partager et surtout vous allez me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, pour me dire si vous avez envie que je vous fasse d'autres vidéos du Japon ou alors d'autres pays que j'ai visités. Merci beaucoup les amis, continuez à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Continuez à liker, continuez à partager et on se retrouve samedi prochain pour une toute autre vidéo. À bientôt. J'aurais pu encore vous parler du mont Fuji que l'on voit au loin ou de ces magnifiques magasins qui regorgent de petites bricoles, de ces jolies portes que l'on trouve à l'entrée de certaines villes, des marchés qu'il y a partout en abondance, ainsi que des étals de poissons avec des choses absolument magnifiques. Regardez-moi ces magnifiques araignées avec des coquillages et des poissons que l'on ne trouve pas forcément par chez nous. Et connaissez-vous la bonite séchée dont les Japonais raffolent? Et le week-end, il y a de nombreuses geishas qui sortent. Ce sont des Japonaises qui aiment s'habiller traditionnellement le week-end. Et les onsen, vous savez, ces bains publics où femmes et hommes ont leur partie séparée. Et oui, je suis allée aussi à Tokyo Disney, magnifique sortie. Mais ce que j'ai aimé encore plus, c'était Universal. Alors là, je me suis éclatée, c'était absolument génial. C'est là aussi où j'ai eu la peur de ma vie dans un des manèges les plus hard du monde.